Mon ami, j'espère que tu vas bien. In this video, I am using the material Les voisins du 12 bis to help you learn French at a beginner level. I didn't create this material, it was created by RFI, Radio France Internationale, as a free and public resource to help people learning French. Okay? The material itself is a comic book that you can find online for free. I'm putting the link in the description. It's telling the story of a young foreign woman arriving in France. Alongside with the book, there are also some audio files as well. I really encourage you to go download and read through the comic book by yourself, all right? And in this video, first I will read through one episode of the comic book and then we will do together all the reading, listening and grammar exercises. If you follow me through the whole 13 episodes of this comic book, then at the end, you will have read, understood, and studied a whole comic book in French, which is definitely something you can be proud of. All right? If that's okay, then let's go. Les voisins du 12 bis, épisode 10. Épisode 10, au nomade. Au nomade. Ok? Au fait, vous avez des nouvelles de cette Awa? Au fait, by the way, au fait, vous avez des nouvelles? Do you have some news? Des nouvelles de cette Awa? Do you have some news about this Awa? Oui, elle prépare son clip. Regarde, voilà le message de son amie Leila. Donc oui, elle prépare, she is preparing, she prepares, son clip, her music video, like video clip. Regarde. Voilà le message de son amie Leila. Donc voilà le message. Here's the message, the text message from her friend Leila. Regarde, look. La demande de passeport talent d'Awa a été acceptée. OK, you remember? Passeport talent is like the passport for people with a special talent. For example, now Awa, she's a singer, she's a musician. Donc ça a été accepté. Her request has been granted, has been validated. Un peu plus tard, a bit later, un peu plus tard. Un peu, a bit, plus tard is literally more late, so a bit later. Hey, an ATM. OK, ATM in French is DAB, DAB, pour distributeur automatique de billets. Attendez, je prends de l'argent. Donc, wait, attendez, je prends de l'argent. I will take some money. Et là, il y a une femme. Oh là là, mais c'est pas possible. It's like, it's not possible, c'est pas possible. Madame, vous avez besoin d'aide? Oui, je ne comprends pas. Ça ne marche pas. Faites-moi voir votre carte bancaire. Ah, c'est une carte ADA. Alors, la carte ADA, ADA, est une carte de paiement remise aux demandeurs d'asile pour y verser l'allocation pour demandeurs d'asile. So it's for the people asking to stay, like the foreign people asking to stay in France. They have a special card, la carte ADA, ADA, which is a card like for payment, to pay, une carte de paiement. Where they get the money for people in this situation, okay? But now the woman, she's misusing by mistake her ADA card, by mistaking it with a normal bank card, basically. Madame, vous avez besoin d'aide? Avoir besoin, to need, right? Vous avez besoin d'aide? Do you need some help? Oui, je ne comprends pas. I don't understand. Je ne comprends pas. Ça ne marche pas. It doesn't work. Ça ne marche pas means it doesn't work. Marche means to walk, right? But it's a very, very, very common expression in France to say something works, to say it works, basically, like it's like you can use it correctly. For example, for me, when I give class to people in real life, I have the habit of always asking, ça marche? It's like, does it work? Is it okay? Do you understand? Ça marche? Okay. Even in daily life, I have this language thing. I always say this. Ça marche? Faites-moi voir votre carte bancaire. Show me your bank card. Ah, c'est une carte ADA. Et ici, Billy et Rosa,
elle parle. Le distributeur de billets ne fonctionne pas. It doesn't work. Non, apparemment, c'est sa carte qui bloque. It's her card that's like blocking. Ah, ok. Donc ma carte, elle va marcher. So my card, will my card work? Mais oui. Yeah, don't worry. Ok. Le soir, au Nomad. Ok, I just realized my hair is messy. Le soir, au Nomad. So in the evening, le soir. Au, at the, right? Au Nomad. So I can imagine that the Nomad is a club. Like a yeah, party club. On reprend un verre, les filles. So these are like the friends that she met at the university last time. Prends, to take. Reprends, to take one more, to retake. Okay? On reprend un verre, les filles. So we take one more glass, girls. Un jus d'orange, right? Orange juice. Un jus d'orange. So Rosa is trying to be very careful, apparently. Allez, okay, and so classic situation. She tries to be careful, but I guess she will be lured into partying too much by other people and bad influence people. Allez, on fait la fête. Prends un truc plus fort. It's like, allez, come on, allez. On fait la fête. Faire la fête. Literally, it means to do the party. This is how we say partying, okay? Faire la fête is like we are partying, on fait la fête. Prends un truc plus fort, take something stronger, okay? Allez, santé, chin chin. You see last time in the previous, I think, episode, I told you if you are a bit has been a bit lame or a bit drunk, when you cheer with someone, you can say chin chin like this, okay? So this is what they say. Allez, santé, chin chin, cheers. À l'amitié, to friendship, amitié, friendship. I know they are partying a lot, okay. Et voilà, I was sure. Always like this. Ça va, Billy? Tu es toute pâle. Pâle means, I think it's pale in English. It's when you feel sick and your face become completely white, you know, like you lose all the colors on your face. Ça va, Billy? Tu es toute pâle. Je rentre chez moi. I go home. Je rentre chez moi. Mais le métro est fermé. Donc le métro, the subway is closed. Il est 2h du matin. 2 a.m. 2h du matin. Où sont les toilettes? Where are the toilets? Ok, ça va. Actually, her friends are still nice. Like, it's not... That could have been worse, I think. Où sont les toilettes? Alors, oh non, Zirek. Ah, mec, putain. I think Zirek is too nice with them. Allô, Zirek? Tu peux venir, s'il te plaît? Can you come, please? Tu peux venir? Can you come, please? Au Nomad, c'est rue de Lap, devant l'entrée. So she gives him the address. Rue de Lap. Devant l'entrée, in front of the entrance. Ok, dans 10 minutes. Merci. In 10 minutes. Thanks. Zirek, too nice. Il est trop gentil. Trop gentil. Le lendemain matin. So, the next morning, le lendemain matin. Le lendemain is the next day, matin, morning. So now she's sleeping with her clothes all over the floor. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc is the sound that we make to say knocking at the door. Toc, 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 like this. Ça va? Pas trop mal à la tête? Mal à la tête is a headache, okay? Mal à la tête. Pas trop mal à la tête, not too, you don't have too much of a headache. J'ai trop bu hier soir. J'ai trop bu. I drank too much. Hier soir, yesterday evening. Et tout s'est mis à tourner. Everything was spinning around my head. J'ai appelé Zirek. Passé composé. J'ai appelé. I called Zirek. And now Pierre, the angry husband is arriving. Il y a un problème, Pierre? Il y a un problème. Is there a problem? Is there an issue, Pierre? Quand elle est rentrée cette nuit, elle a fait un de ces bruits. Ça a réveillé Charlie. Je suis désolé. Donc, quand elle est rentrée cette nuit, when she went back home last night, elle a fait un de ces bruits. She made a lot of noise, basically. Ça a réveillé Charlie. It woke up Charlie. Charlie is the baby. Je suis désolé. I am sorry. Je suis désolé.
Mais qu'est-ce qui t'a pris de boire comme ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Like what happened to you? Like why would you do this? Why did you drink like this? J'étais triste. I was sad. J'étais triste. Mais je n'ai pas l'habitude. But I'm not used to it. I'm not used to drinking like this. Bon. Tu descends chez moi boire un thé bien chaud. You go downstairs to my place. Tu descends chez moi boire un thé bien chaud. Drink a warm tea. Ok, j'arrive. I come. Rosa is very nice. Hein? Oh yeah, she was sad because she learned that her boyfriend was cheating on her, right? I remember now. That was like so brave of you, Karen, the boyfriend. Loin des yeux, loin du cœur. Adieu. Adieu means farewell. So I guess she calls her boyfriend, she tells him bye bye, adieu. Adieu, farewell. Loin des yeux, loin du cœur. So this is, she's using an expression in French. Usually the expression is loin des yeux, près du cœur. Okay? So loin means far. Près means close. Okay? Les yeux, it's the eyes. Et le cœur is the heart. So normally the expression is loin des yeux, près du cœur, which means far from the eyes, but close from the heart. Which is like, for example, when you love someone, like your lover or a friend or a family member, for example, but you cannot see them because you are far from each other geographically. For example, my friend lives in another country and I live in France. It's like we are far from each other's eyes. We cannot see each other because we are far from each other, but we are close from the heart because we still have affection and love for each other, right? So it's like loin des yeux, far from the eyes, près du cœur, close from the heart. And here she says loin des yeux, loin du cœur, which means like far from the eyes, far from the heart. So it's a way to tell him like I don't want to see you anymore, basically. And a small story, I have a friend who lives in Switzerland right now, so he's a bit far from me, and we've always been far from each other, but we really love each other, right? And we always laugh with, I mean, in the past we often laugh about this expression. We say loin des yeux, près du cœur, as in where we are separated, we really love each other, but usually when we reunite, we do a lot of crazy stuff, and so we say près des yeux, loin du cœur, as in once we are finally reunited and we are finally together, in the end it's far from the heart, like I don't even in the end I realize I don't like you, you know. It's a way to joke using the French expression. Okay. Sorry if that was a bit boring. C'est tout pour l'histoire. Ok, maintenant on va passer aux exercices et on va commencer par écouter l'histoire. Ok? Let's listen to the story first. Oh, and in this video, I have put the transcripts of the audios. Let's go. Oui, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Ok, j'y serai. Au revoir, merci. Ça va? Ah, désolé, c'était un peu long. Au fait, vous avez des nouvelles de cette Awa? Oui, elle prépare son clip. Regarde, voilà le message de son amie, Layla. Fais voir. Ah, ok. La demande de passeport talent d'Awa a été acceptée. C'est une bonne nouvelle. Oui, elle attend son visa passeport talent et une fois en France, elle pourra obtenir une carte de séjour pluriannuelle. Une carte de séjour pluriannuelle? À condition qu'elle trouve du travail. Ah, ça, je suis sûre qu'elle y arrivera. Ah, s'il vous plaît, vous pouvez nous apporter l'addition? Alors, 3 minutes. 42 euros, madame. Attendez, je prends de l'argent. Oh là là, mais c'est pas possible. Madame, madame, vous avez besoin d'aide? Oui, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Calmez-vous, faites-moi voir votre carte bancaire. Ah, c'est une carte ADA. Allocation de demandeur d'asile. Ah. J'avais 200 euros, il me restait 150 hier, alors pourquoi ça ne marche pas? Ah. Oh là là, mais comment je fais? J'ai pas d'argent là.
Vous devriez ouvrir un compte à la banque postale et y déposer vos allocations pour pouvoir utiliser l'argent sans être limité. Oh, d'accord. Merci pour votre aide, madame. De rien. Bon courage. Ok. Composez votre code secret. Retrait avec ticket. Choisissez votre montant. Voilà. Ok, c'est bien. On va réécouter encore une fois juste après. Alors, où sont Billy, Diane et Rosa? Est-ce qu'elles sont au restaurant ou est-ce qu'elles sont à l'association? Et de qui parlent-elles? Who are they talking about? Est-ce qu'elles parlent d'Amir, le fleuriste, ou est-ce qu'elles parlent d'Awa? Bon, je pense que ça va. Billy, Diane et Rosa, on peut entendre, elles sont au restaurant et elles parlent d'Awa. Elles sont au restaurant. Donc, I hear the people eating sound, a lot of people speaking, the glass, the water. Okay. Au revoir, merci. And elle dit... Le passeport talent d'Awa a été accepté. Elle parle d'Awa. Ok, le passeport talent d'Awa. C'est une bonne nouvelle. Oui, elle attend son visa passeport talent. Et à Noël? Je suis sûre qu'elle y arrivera. Ah, s'il vous plaît, vous pouvez nous apporter l'addition? Vous pouvez nous apporter l'addition? L'addition is the bill at the restaurant to pay. Ok, c'est bien. Billy, Diane et Rosa sont dans la rue. In the street, dans la rue. Que veut faire Billy? What she wants to do? Elle veut acheter des tickets de métro au guichet automatique. Elle veut retirer de l'argent au distributeur automatique. Donc, est-ce qu'elle veut acheter des tickets de métro ou est-ce qu'elle veut retirer de l'argent? Mais que se passe-t-il? Une femme veut retirer de l'argent mais ça ne marche pas, ou Billy ne trouve pas de distributeur automatique? Tu me dis, you tell me. Bon, déjà, Billy... elle veut retirer de l'argent. They never talk about subway ticket. Elle veut retirer de l'argent. Retirer, withdraw. Okay? Retirer de l'argent, to withdraw money, au distributeur automatique de ATM. Mais une femme veut retirer de l'argent, mais ça ne marche pas. So a woman wants to withdraw money, but it doesn't work. Ça ne marche pas. Écoutez, puis choisissez la bonne réponse. Alors, quelles sont les nouvelles d'Awa? Elle prépare son clip pour le concours La Nouvelle Voix. Elle va obtenir son visa passeport talent pour venir en France. Elle est rentrée en France. En France, Awa pourra obtenir une carte de séjour pluriannuelle à condition qu'elle trouve un travail, un logement. Au restaurant, les trois menus coûtent 1 euro. Euro. This last question, I think, personally, is very hard to hear in the audio because the voice of the person speaking is a bit strange. Oui, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Ok, j'y serai. Au revoir, merci. Ça va? Ah, désolé, c'était un peu long. Au fait, vous avez des nouvelles de cette Awa? Oui, elle prépare son clip. Regarde, voilà le message de son amie, Layla. Fais voir. Ah, ok. La demande de passeport talent d'Awa a été acceptée. C'est une bonne nouvelle. Oui, elle attend son visa passeport talent et une fois en France, elle pourra obtenir une carte de séjour pluriannuelle. Une carte de séjour pluriannuelle? À condition qu'elle trouve du travail. Ah, ça, je suis sûre qu'elle y arrivera. Ah, s'il vous plaît, vous pouvez nous apporter l'addition? Alors, 3 minutes. Tant à 2 euros, madame. C'est bon? Si tu as besoin, tu peux réécouter encore une fois. Ok? If you need, you can listen to it one more time. No issue. Et si c'est bon, alors c'est parti. Quelles sont les nouvelles d'Awa? Bah, elle va obtenir son visa passeport talent. Hein. Ça va? Par son clip. Regardez, c'était un peu long. Au fait, vous avez des nouvelles de cette Awa? Oui. Vous avez des nouvelles de cette Awa? Okay, now don't look at what I'm doing. Okay, close your eyes for one second.
Ok. De cette, vous avez des nouvelles Awa? De cette Oui, Awa? Elle prépare son clip. Regarde. Elle prépare son clip. Elle prépare son clip. She is preparing her music video, right? Elle prépare son clip. Voilà le message de son amie, Layla. Et maintenant, voilà le message de son amie, Layla. Ok, elle monte le téléphone. Here's the message from her friend. Oops, sorry. Here's the message from her friend. Awa? Oui. Son amie, Layla. Fais voir. Ah, ok. La demande de passeport talent d'Awa a été acceptée. La demande de passeport talent a été acceptée. So the request for passport talent has been agreed, validated. Donc, elle va obtenir son visa passeport talent. She will get her visa passeport talent. Elle est rentrée en France. Non, pas encore. Not yet. She is not yet in France. En France, Awa pourra obtenir une carte de séjour pluriannuelle à condition qu'elle trouve. Donc, une carte de séjour pluriannuelle is an official document allowing people who are not like French citizens to stay in France for more than a year, okay? Like for a longer time. But she can get this à condition, okay? Only if she finds un travail ou un logement. C'est une bonne nouvelle. Pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle. Une carte de séjour pluriannuelle? À condition qu'elle trouve du travail. À condition qu'elle trouve du travail. Only if she finds a job. Ok? A job. Et maintenant, les trois menus. Oh, pardon. Alors, trois menus. So the waiter says, alors, trois menus. 42 euros, madame. 42 euros, madame. Donc, 42 euros. Ça, c'était 82 euros. Ça, c'est 42 euros. C'est bien. Maintenant, quelle carte possède la femme qui est au distributeur automatique? Une carte ADA, A-D-A, ou une carte de crédit? Que signifie ADA? Aide pour les demandeurs d'asile? Allocation pour demandeurs d'asile. Pourquoi la jeune femme ne peut pas retirer d'argent? Elle n'a plus d'argent sur son compte? Ou bien sa carte ADA ne lui permet pas de retirer de l'argent? Quelle solution propose Diane? Ouvrir un compte bancaire? Appeler l'OFI. Let's go. Attendez, je prends de l'argent. Oh là là, mais c'est pas possible. Madame? Madame, vous avez besoin d'aide? Oui, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Calmez-vous, faites-moi voir votre carte bancaire. Ah, c'est une carte ADA. Allocation de demandeur d'asile. Ah. J'avais 200 euros, il me restait 150 hier, alors pourquoi ça ne marche pas? Ah. Oh là là, mais comment je fais? J'ai pas d'argent là. Vous devriez ouvrir un compte à la banque postale et y déposer vos allocations pour pouvoir utiliser l'argent sans être limité. Oh, d'accord. Merci pour votre aide, madame. De rien. Bon courage. C'est bon? Alors, quelle carte possède la femme qui est au distributeur automatique? Madame, vous avez besoin d'aide? Oui. Vous avez besoin d'aide? Do you need some help? Je ne comprends pas, ça ne marche pas. Calmez-vous, faites-moi voir votre carte bancaire. Ah, c'est une carte ADA. Ah, c'est une carte ADA. Une carte ADA, ouais. Oh, this one was obvious. Allocation de demandeur d'asile. Allocation de demandeur d'asile. Ok, allocation pour demandeur d'asile. A, D, A. Allocation pour demandeur d'asile. Attends. ADA. Allocation de demandeur d'asile. Ah. J'avais 200 euros, il me restait 150. Alors, j'avais 200 euros. I had 200 euros. Il me restait 150. I still had 150, ok? 150, 150, ok? So she was left with 150. Hier, alors pourquoi ça ne marche pas? So why it doesn't work? Ah. Oh là là, mais comment je fais? J'ai pas d'argent là. Vous devez... Donc, elle n'a plus d'argent sur son compte. Non. This means she have no more money on her account. But she has money. She says she has 150 euros. Vous devriez ouvrir un compte à la banque postale. Et Diane dit, vous devriez ouvrir un compte à la banque postale. You should open an account to
the bank postal, okay, which is one of the banks in France, you know, in France. Donc, Diane propose d'ouvrir un compte bancaire. She suggests her to open a bank account, ouvrir un compte bancaire, okay? Parce que, like I was saying when we read the comic book, sa carte ADA ne lui permet pas de retirer de l'argent. Her ADA card, doesn't allow her to withdraw the money. Ok, c'est bien. Small information. In this exercise, you're supposed to link the picture with the text. I think, honestly, they made a small mistake, the people who are creating these documents. I'm not blaming them, you know, when you create as much resources, especially for free, you're bound to make some mistake. So I think some of the text, they don't match any picture, so I have allowed myself to change the text, okay? So here's the original one that doesn't match the picture. Here's the new one, okay? So we will use this to do the exercise. Billy lit les informations et les consignes du distributeur automatique de billets. So she's reading the instructions on the distributeur automatique de billets. Alors. Composez votre code secret. Retrait avec ticket. Choisissez votre montant. 50 euros. Ouf. Voilà. Alors, insérez votre carte. Prenez votre argent. Choisissez votre montant. What pictures does it match? I let you do it first and then I show you the answer. C'est bon? C'est parti. Insérer votre carte is what these sentences, it's not like me, I invented them. They will be used later in the exercise as well. And this is what you really read on the ATM in France. Insérer votre carte, insert your card. Okay, this is the drawing right here. Insert your card. Choisissez votre montant, choose your amount. Donc 20 euros, 40 euros, 100 euros, 200 euros, etc. Prenez votre argent, take your money. Prenez votre argent. C'est bien. Repérez ces phrases dans le dialogue. Dites si la personne qui parle est contente ou si elle a un problème. OK? So, I don't read the sentences here. You should pause the video right here. Read these sentences here on the left for yourself. Now we listen to the document one more time. And you will tell me if the person pronouncing these lines here is the person contente. Is she happy? Ou bien elle a un problème. She has an issue. Oui, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Ok, j'y serai. Au revoir, merci. Ça va? Ah, désolé, c'était un peu long. Au fait, vous avez des nouvelles de cette Awa? Oui, elle prépare son clip. Regarde, voilà le message de son amie, Layla. Fais voir. Ah, ok. La demande de passeport talent d'Awa a été acceptée. C'est une bonne nouvelle. Oui, elle attend son visa passeport talent et une fois en France, elle pourra obtenir une carte de séjour pluriannuelle. Une carte de séjour pluriannuelle? À condition qu'elle trouve du travail. Ah, ça, je suis sûre qu'elle y arrivera. Ah, s'il vous plaît, vous pouvez nous apporter l'addition? Alors, 3 minutes, 42 euros, madame. Attendez, je prends de l'argent. Oh là là, mais c'est pas possible. Madame, vous avez besoin d'aide? Oui, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Calmez-vous, faites-moi voir votre carte bancaire. Ah, c'est une carte ADA. Allocation de demandeur d'asile. Ah. J'avais 200 euros, il me restait 150 hier, alors pourquoi ça ne marche pas? Ah. Oh là là, mais comment je fais? Ok, we heard all of them. Right at the end. Oh là là, mais comment je fais? Je ne comprends pas, ça ne marche pas. Ah là là, mais c'est pas possible. Ok. Tout ça, c'est la femme avec la carte ADA. Ouais. Donc tout ça, elle a un problème. She has an issue. Oh là là, mais c'est pas possible. It's not possible. Je ne comprends pas, ça ne marche pas.
I don't understand. It doesn't work. Oh là là, mais comment je fais? How will I do? Et Diane, au début, c'est une bonne... Billy, au début, c'est une bonne nouvelle. It's a good news. Une bonne nouvelle. Elle est contente, c'est bien. Écoutez, puis sélectionnez la bonne réponse. Qu'est-ce que tu entends? Hein? Tu entends quoi? Tu entends quoi? Composez votre code secret. Retrait avec ticket. Choisissez votre montant. Si tu as besoin, tu peux réécouter. Si c'est bon, alors c'est parti. Composez votre code secret. Composez. Retrait avec ticket. Retrait. Choisissez votre montant. Donc, composez votre code secret. Composez is a fancy word that means like type your secret code when you withdraw money. Retrait avec ticket. So it's like withdrawal, withdrawal, withdrawal with a ticket. Choisissez votre montant. Choose your amount. C'est bien. Lisez, puis complétez les dialogues. So here you have three sentences. Ça ne marche pas. Je ne comprends pas. C'est pas possible. And you use these lines in the dialogue here. OK? Je te laisse mettre en pause ici. You should pause the video right here. Do it yourself. Et si c'est bon, alors c'est parti. Dépêche-toi, la banque va fermer. Mais il est quelle heure? 17h. Ah là là, mais c'est pas possible. It's not possible. J'arrive toujours trop tard. C'est pas possible. J'arrive toujours trop tard. Oh là là. So dramatic. Regarde, je mets ma carte dans le distributeur, mais... I put my card in the distributor. Mais ça ne marche pas. It doesn't work. Ah bon? Oui, regarde. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un problème avec cette carte. Pourquoi? Je ne comprends pas ce qui se passe. Why? I don't understand what's happening. Je ne comprends pas. I don't understand. If you have French lessons, maybe in your country, and you don't understand something, you should tell your teacher, je ne comprends pas. I don't understand in French. It's better than telling him, you know, in your own language. C'est bon. Observez et lisez. Complétez les consignes avec les mots suivants. Choisissez, introduisez, patientez et prenez. Ok, first, try to do it yourself. Then I help you a bit if you need. Mais d'abord, essaye de faire tout seul. Ok? C'est bon. Maintenant, choisissez, choose, introduisez, put in, it's like put inside, patientez, wait, prenez, to take. Ok? Take. C'est bon? Even if you're not sure, just try, ok? Et si c'est bon, alors c'est parti. Introduisez votre carte. So, put in your card. Introduisez votre carte. Billet disponible. So, the available bills. 10 euros, 20 euros, 50 euros. Choisissez votre montant. Choose your amount. Patientez. Wait. Nous préparons vos billets. We are preparing your bills. Prenez vos billets et votre ticket. Take your bills and your ticket. C'est bien. So these are the instructions at the ATM, okay? All right, and if you need, here's the whole transcript if you need of the conversation. I'm sorry it's a bit small because I'm trying to put everything on one slide and I need to remove my big face also. Okay. Oui, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Ok, j'y serai. Au revoir, merci. Ça va? Ah, désolé, c'était un peu long. Au fait, vous avez des nouvelles de cette Awa? Oui, elle prépare son clip. Regarde, voilà le message de son amie, Layla. Fais voir. Ah, ok. La demande de passeport talent d'Awa a été acceptée. C'est une bonne nouvelle. Oui, elle attend son visa passeport talent et une fois en France, elle pourra obtenir une carte de séjour pluriannuelle. Une carte de séjour pluriannuelle? À condition qu'elle trouve du travail. Ah, ça, je suis sûre qu'elle y arrivera. Ah, s'il vous plaît, vous pouvez nous apporter l'addition? Alors,
Te ramener. Tarado, madame. Attendez, je prends de l'argent. Oh là là, mais c'est pas possible. Madame, madame, vous avez besoin d'aide? Oui, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Calmez-vous, faites-moi voir votre carte bancaire. Ah, c'est une carte ADA. Allocation de demandeur d'asile. Ah. J'avais 200 euros, il me restait 150 hier, alors pourquoi ça ne marche pas? Ah. Oh là là, mais comment je fais? J'ai pas d'argent là. Vous devriez ouvrir un compte à la banque postale et y déposer vos allocations pour pouvoir utiliser l'argent sans être limité. Oh, d'accord. Merci pour votre aide, madame. De rien. Bon courage. Ok. Composez votre code secret. Retrait avec ticket. Mm-hmm. Choisissez votre montant. Ouf. Voilà. Ouf, voilà. Ok, if you want to take a small break, now is the time. Et maintenant, on va passer à la partie numéro 2. With Billy, letting bad influence over her. Letting people influencing her. I don't know how to say. Ok, on commence par écouter. Let's go. And at the end of this part, I will put the transcript for this part as well. C'est parti. Allez, viens, on va danser. Ouais, grave, la même chose. Oui, c'est parti. On prend un verre, les filles. Tu veux encore un verre, Billy? Un jus d'orange? Oh, allez, on fait la fête. Prends un truc plus fort, c'est plus drôle. S'il vous plaît, 4 vodka orange. Ça marche. Je ne sais pas si... Amuse-toi, Billy. Oublie un peu ton amoureux. Et voilà. Ça fait 40 euros. 40 euros? Le Nomade, c'est un bar à DJ, hein. C'est plus cher qu'au café. Mais 40 euros, c'est très cher. Allez, santé, chin-chin. Allez, santé, chin-chin. À l'amitié. Oh my God, that's strong. C'est bon, hein? Allez, Billy, on va danser. Ok, j'arrive. Billy, ça va? Ça va, Billy? Tu es toute pâle. Ça ne va pas trop. J'ai chaud. Viens t'asseoir. Il faut... Je rentre chez moi. Mais le métro est fermé. Il est 2h du matin. Où sont les toilettes? Juste là, attends. Angela va t'accompagner. Non, non. Ça va. Allô? En vrai, ça va. Her friends, like, they're a bit young and dumb, but they're still nice, I think, like, still okay. Allô, Zirek? Ça ne va pas. Tu peux venir, s'il te plaît? Oh, Nomade. C'est... Attends. Rue de Lap. Devant l'entrée. Ok. Dans 10 minutes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Rosa. Oh, Billy. Ah, Rosa, j'ai deux mots à dire à ta locataire. Il y a un problème, Pierre? Quand elle est rentrée cette nuit, elle a fait un de ces bruits, ça a réveillé Charlie. Je suis désolée. Oui, eh bien, j'espère que ça n'arrivera plus. Bon, elle s'est excusée. Tu as été jeune aussi, non? C'est un immeuble tranquille ici. Il faut respecter le voisinage. You hear or no? at the end, Pierre, he's very angry. He goes back up to his apartment. And at the end, you can hear him slam the door, you know, super angry. Ok, c'est parti. Où sont Billy et ses amis? Where are they? Ok. Dans un bar à DJ. Dans un café. Bon, facile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent et jouent au billard. Ils boivent des verres et dansent. Don't pay attention to my dancing moves.
C'est bon ? Alors, où sont Billy et ses amis ? Bah, dans un bar à DJ, hein. Ils sont dans un bar à DJ. Ok, let's be clear about this one. Bar is a bar, no issue. DJ is a DJ, ok, like in English, like a disc jockey, ok, DJ. Bar à DJ, no one, I don't know why they wrote it like this. No one says this in France. No one. I can tell you as a French person. No one, and it's not because I'm lame and I don't go out or anything. It's like, I promise you, no one says this. Bar à DJ, no one speaks like this. Usually you will say like a nightclub, something like this. Une boîte de nuit, un club, etc. Une boîte, ok. Bar à DJ, no one, like you can understand the idea, it's a nightclub, but no one says bar à DJ. From now on, instead of bar à DJ, I will read boîte de nuit, ou club, you know what, club, like a nightclub. Ils sont dans un café. Non, ça se voit, c'est pas un café. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils discutent, blablabla, et jouent au billard. Billard is the pool, you know, you do like a pop, comme ça. Pop. Ils boivent des verres, so they drink, et dansent, and dance. Ok, donc ils boivent des verres et ils dansent, hein, c'est clair. Que se passe-t-il ? Billy veut boire d'autres verres. Billy ne se sent pas bien. Donc, est-ce qu'elle veut boire d'autres verres, plus, ou bien elle se sent pas bien. Billy appelle des amis pour les inviter aux nomades. Comme. Billy appelle Zirek, oh mec, pour lui demander de venir la chercher. Bon, Billy ne se sent pas bien. It means she doesn't feel good. She doesn't feel well, okay? She feels sick. Billy appelle Zirek, right? She calls Zirek pour lui demander de venir la chercher. Et Zirek est trop gentil. He's too nice. He comes at 2 a.m. Putain. Billy appelle Zirek pour lui demander de venir la chercher. To ask him to come pick her up. Ok? C'est bien. Écoutez une nouvelle fois. Que comprenez-vous? Ok. For each sentence, you tell me if c'est vrai ou c'est faux. Billy et ses amis paye 34 € pour les boissons. Aux nomades, les consommations sont plus chères que dans un café. Billy est malade car elle a trop mangé. Il est tard, le métro est fermé. Le lendemain, Rosa et Pierre rendent visite à Billy. Pierre est en colère car Billy a fait beaucoup de bruit pendant la nuit. C'est parti. On prend un verre, les filles. Tu veux encore un verre, Billy ? Un jus d'orange ? Oh, allez, on fait la fête. Prends un truc plus fort, c'est plus drôle. S'il vous plaît, 4 vodka orange. Ça marche. Je ne sais pas si... Amuse-toi, Billy. Oublie un peu ton amoureux. Et voilà, ça fait 40 €. 40 €? Le nomade, c'est un bar à DJ, hein. C'est plus cher qu'au café. Mais 40 € c'est très cher. Allez, santé, chin-chin. Allez, santé, chin-chin. À l'amitié. Oh my god, that's strong. C'est bon, hein. Allez, Billy, on va danser. Ok, j'arrive. Billy, ça va ? Ça va, Billy ? Tu es toute pâle. Ça ne va pas trop. J'ai chaud. Viens t'asseoir. Il faut... Je rentre chez moi. Mais le métro est fermé. Il est 2 h du matin. Où sont les toilettes ? Juste là, attends. Angela va t'accompagner. Non, ça va. Allô ? Allô, Zirek ? Salut, Billy. Ça ne va pas. Tu peux venir, s'il te plaît. Au nomade. C'est... Attends. Rue de Lappe. Devant l'entrée. Ok. Dans 10 minutes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Rosa. Oh, Billy. Ah, Rosa, j'ai 2 mots à dire à ta locataire. Il y a un problème, Pierre ? Quand elle est rentrée cette nuit, elle a fait un de ces bruits, ça a réveillé Charlie. Je suis désolée. Oui, eh bien, j'espère que ça n'arrivera plus. Bon,
Elle s'est excusée. Tu as été jeune aussi, non? C'est un immeuble tranquille ici. Il faut respecter le voisinage. Alors, si tu as besoin, tu peux revenir en arrière et réécouter. If you need to, you just go back and listen to it one more time. No issue. C'est parti? C'est bon? Alors, Billy et ses amis payent 34 euros pour les boissons. C'est faux. C'est faux, mon pote. C'est bon, hein? C'est un bar à DJ, hein? C'est drôle. S'il vous plaît, 4 vodka orange. Ils boivent quoi? 4 vodka orange. Ok, so it's vodka with orange juice. Ça marche. Ça marche. This is the voice of the bartender. Je ne sais pas si... Amuse-toi, Billy. Oublie un peu ton amoureux. Angelina, I think that's her name, right? Her friend, Angelina. She tells her, oublie un peu ton amoureux. Forget your lover. Because, you know, she was cheated on. Et voilà, ça fait 40 euros. Ça fait 40 euros. Là, c'est 34 euros. Donc 34 euros, c'est faux. Ça fait 40 euros. 40 euros. 40 euros? Le Nomade, c'est un bar à DJ, hein. C'est plus cher qu'au café. C'est plus cher qu'au café. It's more expensive. Plus cher qu'au café. So it's more expensive than in a coffee shop, than in a coffee place. Because Billy, she's shocked at the price, you know, like basically one glass is 10 euros, you know. And the guy is telling him, le Nomade, c'est un bar à DJ. It's a nightclub. It's more expensive than in the coffee place. Hein. Donc, c'est vrai. Billy est malade car elle a trop mangé. Bah non, c'est faux. Pourquoi elle est malade? Tu me dis pourquoi. Pourquoi Billy est malade? Il est 2h du matin. Parce qu'elle a trop bu. Because she drinks too much. She drinks too much. Il est tard, le métro est fermé. Chez moi. Mais le métro est fermé. Le métro est fermé. Le métro est fermé. The subway is closed. Il est 2h du matin. Il est 2h du matin. It's 2 a.m. Donc il est très tard. It's very, very late. Le métro est fermé. The MRT is closed. Le lendemain, Rosa et Pierre rendent visite à Billy. Ok, I put true and false at the same time, but it's kind of true, ok? Yes, Rosa, she comes to visit Billy. And Pierre, is like, he doesn't really visit Billy, but he still passes by and talks to them, ok? So, if you put wrong, I'm ok. If you put true, I'm ok, you know? Rosa et Pierre, ils viennent pour parler à Billy. Pierre est en colère, Pierre is angry, ouais, car Billy a fait beaucoup de bruit pendant la nuit. She made a lot of noise pendant la nuit, during the night. C'est vrai, hein? Rosa, j'ai deux mots à dire. Donc à ta locataire. Il est énervé, hein? Il est en colère. He's angry. Quand elle est rentrée cette nuit, elle a fait un de ces bruits? Elle a fait un de ces bruits. C'est like she made a lot of noise, ok? Donc Pierre est en colère car Billy a fait beaucoup de bruit. C'est vrai. C'est bien. Pierre est en colère. Lisez ces extraits et répondez aux questions. Alors. Ah, Rosa, j'ai deux mots à dire à ta locataire. Il dit ça, hein? Ah, Rosa, j'ai deux mots à dire à ta locataire. Bonjour, Rosa. Oh, Rosa, j'ai deux mots à dire à ta locataire. Ouais. Ah, Rosa, j'ai deux mots à dire à ta locataire. But he speaks very fast. Un locataire, c'est quoi? Un locataire, c'est quoi? C'est la personne qui paye un loyer pour vivre dans un appartement ou une maison. Ou bien c'est la personne qui a acheté un appartement ou une maison. Et un propriétaire, c'est quoi? So it's the same questions. Ah, Rosa, j'ai deux mots à dire à ta locataire. I have two words to say, which is an expression to say like I need to talk to. C'est like Rosa, I need to talk to your locataire. If you remember, Billy, she is renting Rosa's studio, right? Donc, un locataire, c'est la personne qui paye un loyer pour vivre dans un appartement. Locataire is the person who pays a rent to live in an apartment. Okay? Elle paye un loyer. Elle paye à qui? She pays to who? Who she gives the money to? To le propriétaire. Okay? Propriétaire, c'est la personne qui a acheté un appartement ou une maison. It's the person who bought the apartment.
Donc, locataire is the tenant, propriétaire is the landlord. Ok ? C'est bien. C'est un immeuble tranquille ici. Il faut respecter le voisinage. Ça, c'est Pierre qui dit ça. It's Pierre telling this. D'après vous, le voisinage, c'est... En fait, quand il dit, when he says, il faut respecter le voisinage, c'est quoi ? Le voisinage, c'est les personnes qui vivent dans le même immeuble ou le même quartier, les habitants de la même ville. Et ensuite, respecter le voisinage, ça veut dire quoi ? Faire le ménage dans la cage d'escalier, éviter de faire du bruit le soir et le dimanche, inviter les voisins pour prendre l'apéro, prévenir les voisins lorsqu'on fait une fête à la maison. Alors, c'est un immeuble tranquille ici. It's a quiet building here. Il faut respecter le voisinage. You need to respect le voisinage. Donc le voisinage, c'est les personnes qui vivent dans le même immeuble ou le même quartier. You know, voisin means neighbor, right? The neighbors. For example, Rosa, Zirek, Billy, Pierre, Diane, they are neighbors, right? Ils sont voisins. Voisinage, it's like the group of all the people living in the same building or the same neighborhood. Les personnes qui vivent dans le même immeuble, the same building, ou le même quartier, the same neighborhood. Ok? Respecter le voisinage, surtout respect de voisinage, ça veut dire quoi? Bah déjà, éviter de faire du bruit le soir et le dimanche. So, avoid making noise in the evening or on Sunday. Ouais. Prévenir les voisins lorsqu'on fait une fête à la maison. So, to warn your neighbors, to tell them in advance, when you are planning to do a party at home, you know, you tell them like, for example, okay, this Saturday, I'm celebrating my birthday, so maybe I will be a bit noisy because I'm partying with my friends in my apartment. If we are too noisy, please tell me and we will, you know, keep the noise down, you know. Ça, c'est respecter. Faire le ménage, to clean the stairs, non. Inviter les voisins pour prendre l'apéro, to invite your neighbors, non. Ok. Lisez le dialogue et répondez aux questions. Alors, Greg, s'il vous plaît, 4 vodka orange. Ça marche. Et voilà, ça fait 40 euros. Ok. D'après vous, Greg connaît le serveur, ne connaît pas le serveur? Est-ce que Greg connaît le serveur ou ne connaît pas le serveur? Quelle phrase est correcte pour passer la commande de Greg? So, Greg, he's ordering in a nightclub, so he speaks very fast. He doesn't pronounce the whole sentence. He just says, 4 vodka orange, ok? S'il vous plaît, it's like, please, 4 vodka orange. He's not selling the whole sentence. If you were saying the whole sentence, what would be the sentence? S'il vous plaît, j'aime 4 vodka orange. S'il vous plaît, je voudrais 4 vodka orange. S'il vous plaît, j'attends 4 vodka orange. So what would be the full sentence? Et le serveur répond, he answers, ça fait 40 euros. Ça fait 40 euros means, je vous dois 40 euros, ça coûte 40 euros, vous avez la monnaie sur 40 euros? Tu me dis, ok, you tell me. Alors, d'après vous, bah Greg, il connaît pas le serveur, ah ouais, parce qu'il dit, s'il vous plaît, so he talks to him at the formal way, using vous, right? Donc Greg ne connaît pas le serveur. If Greg knew the waiter, he would say, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc là, Greg ne connaît pas le serveur. S'il vous plaît. 4 vodka orange, ça veut dire je voudrais 4 vodka orange. I would like 4 vodka orange. Ok? Je voudrais, I would like. J'aime, I like. J'attends, I wait for. So, non. Et le serveur répond, et voilà, ça fait 40 euros. Which means ça coûte 40 euros. Like, you have to pay 40 euros. It costs 40 euros. Je vous dois 40 euros means I owe you 40 euros. So the waiter wouldn't say this. Et vous avez la monnaie sur 40 euros. It's like, do you have change on 40 euros? So obviously, non, ok? Donc, ça fait 40 euros. Ça coûte 40 euros. C'est bien. Observez et comprendre la langue. Écoutez pour compléter. Qu'est-ce que vous entendez? Ok, so listen and try to understand what they say.
in the blank. Tu veux encore un verre, Billy? Un jus d'orange? Oh, allez, on fait la fête. Prends un truc plus fort, c'est plus drôle. S'il vous plaît, 4 vodka orange. Un jus d'orange? Oh, allez. Allez, on fait la fête. Prends un truc fort, c'est drôle. Et on fait la fête. Prends un truc plus fort, c'est plus drôle. S'il vous plaît, 4 vodka orange. Prends un truc plus fort, c'est plus drôle, ok? Take something plus fort, more strong, c'est plus drôle. It's more fun, ok? Plus more. Celui-là. Et voilà, ça fait 40 euros. 40 euros? Le Nomade, c'est un bar à DJ, hein? C'est plus cher qu'au café. C'est plus cher. Et voilà. 40 euros? Le Nomade, c'est un bar à DJ, hein? C'est plus cher qu'au café. This one is difficult to hear, I think. C'est plus cher qu'au café. Ok, qu'au café. More expensive than at the coffee place. Like if you were to translate French to English, this would be the way to think about it. C'est plus cher que au café. It's more expensive than in the coffee place. Ok. Normally, you would say plus cher que. This is the right way. But here, O starts with a voyelle, so we put QU apostrophe like this. Okay, this is the grammar rule. Lisez une autre fois les dialogues de l'activité 2. Alors, donc on avait ici là, un jus d'orange. Allez, on fait la fête, prends un truc plus fort, c'est plus drôle. 4 vodka orange. Okay. Le Nomade, c'est un bar à DJ, c'est plus cher qu'au café. Ok. Alors, le jus d'orange est plus fort que la vodka. C'est vrai ou c'est faux? Pour Greg, boire de l'alcool, c'est plus drôle que prendre un jus d'orange. Au Nomade, c'est moins cher que au café. C'est vrai ou c'est faux? Le jus d'orange est plus fort que la vodka orange. Bah non, c'est faux, hein. C'est faux. More strong than, right? Donc, orange juice is more strong than vodka. C'est pas vrai, hein? C'est la vodka qui est plus fort. Hein? C'est la vodka qui est plus fort. Nomade, c'est moins cher qu'au café. Putain, mais je fais n'importe quoi. Ok, pour Greg, boire de l'alcool... Ok, close your eyes for one second. Pour Greg, boire de l'alcool, c'est plus drôle que prendre un jus d'orange. It's more fun than drinking orange juice. C'est vrai, hein? Pour Greg, so according to Greg... Boire de l'alcool, to drink alcohol, c'est plus drôle que, it's more fun than, prendre un jus d'orange, take an orange juice, c'est vrai. Au Nomade, ok, donc moins is just less, ok, and it's the same grammar, donc plus fort que, more strong than, moins fort que, less strong than. Donc ici, au Nomade, c'est moins cher qu'au café. It's less expensive than in the coffee place. C'est faux, hein? En vrai, the truth is, au Nomade, c'est plus cher qu'au café. Ok? C'est bien. Imaginez un dialogue à partir de ces images. Ok, really try to do this at home. Write this on your notebook, ok? Because I hope that you have like a paper on or a notebook, you know, when you do this. So here are 5 pictures, okay, and from the pictures, please try to write a small dialogue, okay? Even if it's not perfect, don't worry, like it's like, yeah, just try, okay? So you pause the video here, you do it yourself. Et si c'est bon, alors c'est parti. Okay, I put color code from picture to the dialogue. So you might have a different dialogue, hein, but it should look something somehow like this, but it's possible you have something a bit different and it's still okay, hein. This is just my own solution. Bonjour, je voudrais un verre de vin, un jus d'orange et un verre de limonade, s'il vous plaît. Oui, ça fait 20 euros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, hello, bonjour, hello. Je voudrais, I would like, so guy ordering, un verre de vin, a glass of wine, un jus d'orange, an orange juice, un verre de limonade, a glass of lemonade. Un verre de limonade, s'il vous plaît. Oui, ça fait 20 euros, s'il vous plaît. Voilà. Ok? C'est bien. Observez la carte des boissons pour comparer les prix, comparer les phrases. Ok.
I hope you can read the prices. It's really small, you know. I'm doing my best to do the slides, but it's pretty small. I hope when you put the video on full screen, you can read the prices and the text. Observez la carte des boissons pour comparer les prix. Complétez les phrases avec moins que, plus que. Ok. Moins que, less than, plus que, more than. Ok. So from the menu here, you tell me what's less or more expensive. Je te laisse le faire, so you should pause the video here. Do it yourself. I suggest you write down the whole sentences on your notebook. Don't write just like 1, moins que, 2, plus que. Okay, write down the whole sentence. Try to read it before I do. C'est bon? Alors c'est parti. Un café, coffee, un thé. Un café, c'est 2 euros. 2 euros. Un thé, c'est 4,50 €. Donc, un café, 2 euros. Un thé, 4,50 €. Donc, un café coûte moins cher qu'un thé. Ouais. It's less expensive than a tea, right? Moins cher qu'un thé. Donc, like I told you before, que, when que is followed by a vowel, you put Q-U apostrophe, ok? Moins cher qu'un thé. Jus de fruits, c'est où? Jus de fruits. C'est là, jus de fruits, so fruit juice, 4 euros. Sirop à l'eau, 2 euros. Donc, un jus de fruits est plus cher qu'un sirop à l'eau. It's more expensive than sirop à l'eau. Le jus d'orange pressé, c'est 5 euros. Putain, c'est cher. Plus cher que les jus de fruits, which is strange, actually. Why would the fruit juice be less expensive than orange juice? Ah, because it's like bottle industrial supermarket fruit juice. Ok, never mind. Donc, le jus d'orange pressé est plus cher que les jus de fruits. Plus cher, right? So it's more expensive than. Une bouteille de bière. They made a mistake. It should be une here. Une bouteille de bière coûte plus cher, parce que ici, bouteille de bière, here you can see, Carlsberg, 5 euros. Gallia, 5,50 €. Ok, donc about 5 euros. Un demi de blonde, here you can see, blonde demi, 3,50 €. 3,50 €. Donc, une bouteille de bière coûte plus cher qu'un demi de blonde. Ok? Demi, what does it mean? In France, when you order a beer, like a craft beer, a beer on tap, you have two sizes. You have pint et demi. Pint is 50 centiliters. Demi, which means half, is 25 centiliters. Et la phrase numéro 5, so I wanted to introduce you to a new grammar, ok? Un thé coûte aussi cher qu'un Perrier. Can you guess what it means? Aussi cher que. It means as expensive as, ok? Donc thé, 4,50 €. Perrier, c'est où? Ah ouais, Perrier. Perrier, 4,50 €. Thé, 4,50 €, so it's the same price. Donc, un thé coûte aussi cher qu'un Perrier. Tea is as expensive as a Perrier. Et félicitations, on a terminé. We have finished this episode, which was episode number 10. So, only two or three episodes left. Congratulations, mon pote. And to finish, I will remove my face and I will play the second part of the audio again. With the transcript, if you are interested in reading the dialogue, okay? Because there was a guy on YouTube asking for this, and I told him I would put the transcript, but I never did it. So if you see this video, man, I'm sorry. I should have done it before. And yeah, that's it. Bisous les potes, bon courage à tous. Tchuss, à la prochaine. C'est parti. On prend un verre, les filles. Tu veux encore un verre, Billy? Un jus d'orange? Oh, allez, on fait la fête. Prends un truc plus fort, c'est plus drôle. S'il vous plaît, 4 vodka orange. Ça marche. Je ne sais pas si... Amuse-toi, Billy. Oublie un peu ton amoureux. Et voilà, ça fait 40 euros. 40 euros? Le Nomade, c'est un bar à DJ, hein. C'est plus cher qu'au café. Mais 40 euros, c'est très cher. Allez, santé, chin-chin. Allez, santé, chin-chin. À l'amitié. Oh my God, that's strong! C'est bon, hein? Allez, Billy, on va danser. Ok, j'arrive!
chaud, cette danse, on serait tous d'aller boire un verre. Billy, ça va? Ça va, Billy? Tu es toute pâle. Ça ne va pas trop. J'ai chaud. Viens t'asseoir. Il faut... Je rentre chez moi. Mais le métro est fermé. Il est 2h du matin. Où sont les toilettes? Juste là, attends. Angela va t'accompagner. Non, non. Ça va. Allô? Allô, Zirek? Salut, Billy. Ça ne va pas. Tu peux venir, s'il te plaît? Oui, oui. Oh, nomade. C'est... Attends. Rue de l'App. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Devant l'entrée. Ok. Ok. Dans 10 minutes. Merci. Merci beaucoup. Billy! Billy, ouvre! Bonjour, Rosa. Oh, Billy. Ah, Rosa, j'ai deux mots à dire à ta locataire. Il y a un problème, Pierre? Quand elle est rentrée cette nuit, elle a fait un de ces bruits, ça a réveillé Charlie. Je suis désolée. Oui, eh bien, j'espère que ça n'arrivera plus. Bon, elle s'est excusée. Tu as été jeune aussi, non? C'est un immeuble tranquille, ici. Il faut respecter le voisinage.